je vais te parler d'un truc. J'ai envie que tu changes un peu ton comportement vis-à-vis de ta sœur. Parce que tu lui parles mal, tu lui manques le respect, tu ne lui donnes pas le respect qu'elle mérite en fait. Tu vois, donc, il faut que tu aies du respect pour Tata Marcel. Tu l'appelles la Tata. Oui, elle mérite qu'on l'appelle Tata. Elle mérite. Toi-même, tu ne vois pas ça. C'est notre aînée de très loin. Elle mérite qu'on l'appelle Tata. Sarah, essaye de faire la paix avec ta soeur. Comme on a fait la paix ensemble, qu'on fait la même chose avec ta soeur, Sarah, s'il te plaît. C'est pas bien quand deux soeurs sont en discorde. Ok, mais ne sais pas si elle va accepter. Malgré tout ce qu'elle a fait, l'insulter, on a Sarah, bagarré. là n'est pas le problème. Le problème est que tu ailles d'abord t'excuser. Le Seigneur va toucher son cœur, va pouvoir te pardonner, Sarah. Elle mérite ton pardon. Moi, je peux qu'elle accepte pas mes excuses. Sarah, elle va accepter. Le Seigneur va toucher son cœur. Elle va accepter l'excuse. C'est quand même ta grande sœur. Et ça, c'est comme si c'était une étrangère. Tu connais ma soeur. Non, Bon, Sarah. alors, Ta sœur n'est pas comme tu penses. Elle a un bon cœur. Allons-y. ok. Tu vas m'aider à lui demander aux excuses. Non, n'aie pas peur. Hey, tu ma scène. Gloria, attendez un peu, dites-moi un peu, ce que je vois là, c'est un peu foufou. Qu'est-ce qui se passe même entre vous deux? Tati Marcel, c'est une longue histoire. Tati Marcel, Sarah avait quelque chose à te dire. D'accord, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Marcel, c'est que tu m'as fait chez vous, Non, lève-toi, lève-toi, Sarah, lève-toi. Ne te mets pas en genoux devant moi. tu dois le faire plutôt pour Dieu, pas pour moi. C'est lui qui mérite qu'on se mette en genoux, lui qui demande pardon. Je suis juste un être humain. J'ai la chair et je meurs demain. Donc ne t'excuse pas. Tu sais, tu es ma petite soeur. Je ne vais jamais te gifler. Moi, je suis plutôt là pour te conseiller. Disons que je suis un peu comme une deuxième mère. Si maman n'est pas là demain, je serai la représentante de maman. Donc moi, je vais t'amener à changer. Si tu as reconnu ton erreur vis-à-vis de moi, promets seulement que tu n'as pas fait la même chose. Le problème, vous voulez que tout se passe pour toi. Je suis. Quand il y a pas de soucis, je vous parle, je te parle. Oh. Wow. J'attendais ce moment depuis longtemps. Vous êtes bénis, mes enfants. Amen. La Bible déclare qu'il est important pour les frères de demeurer ensemble. Que c'est comme une dentition qui coule sur la barbe d'Aaron. Et c'est à ce moment que Dieu va parler la bénédiction quand on n'est plus. Amen. Amen. Eh bien, demain, maintenant, nous allons prier et sceller cette union dans le sang. Amen. Paix trois fois ça. Nous te bénissons, ô Yahweh, pour la paix, Seigneur. Et l'unité que tu as donnée au milieu de ces enfants. Seigneur, ta parole déclare qu'il est important pour des frères de venir ensemble. Merci Seigneur, oh Père, parce que tu as tenu à cette parole et tu as uni Sarah, Gloria et Marcel. Seigneur, en tant que leur mère, je viens te glorifier, je viens te célébrer parce que tu es Dieu. Nul n'avait été toi, Seigneur. Oh, cette unité, Papa, n'aurait pas lieu. Papa, nous te célébrons. Papa, nous t'exaltons, Seigneur, tu es le rocher de gloire. Tu es celui-là qui ne déçoit point et qui ne décevra à jamais. Tu es celui-là qui ne somnole point et qui ne dort. Oh, Yahweh, sois. À la maison. Mais pendant que les autres dorment sur les deux oreilles. Oh! Après un temps, c'est moi qu'on m'a dit que Chouquette va chercher Gloria. Va chercher Gloria.
Pourtant, c'est pas moi qui envoie l'enfant à aller demander l'argent. Hé, hey, maman, les gens, là, Dieu seul sait pour eux. Hé! Hey. Pourquoi tu peux dire les choses comme ça? Pourquoi tu me fais ça maintenant? Hein, ma princesse? Pardon, maman. Pardon, tu vois comment je suis déjà tellement désespérée. Je ne sais même pas quoi faire pour retrouver Gloria. J'aimerais que tu ailles de l'autre côté, là, le quartier voisin. Pardon, regardez, ce n'est même pas là-bas. Pardon, ma fille. Aide-moi à chercher Gloria. Pardon, Chouquet. Maintenant, c'est la désespérée. Quand on allait crucifier Jésus, Jésus était mort sur la croix, mais il avait porté sa croix seule. Pardon pour l'amour de Dieu. Ne me mets plus tes problèmes. Ne m'envoie plus chercher Gloria. Porte ta croix seule. Pardon seulement. Ne me fais tes problèmes. Ah. You cherche, you trouve, you trouve, you support. Oh. Oh. Hey. Je veux faire comment? J'ai déjà cherché l'enfant, c'est partout. Et mon Dieu, pardon mes péchés, pardonne-moi, pardon. Ouais, papa, je te promets que si tu m'aides à trouver Gloria, je vais te prier tous les jours. Je ne vais plus jamais faire du mal à qui que ce soit. Je vais être ton enfant et je vais amener également Chouquette à être ton enfant toute notre vie. Mais aide-moi à trouver Gloria, pardon mon Dieu. Pardon. L'enfant a retrouvé, maman. Ah, tu m'as tellement manqué. Ah, mon Dieu. Pourquoi tu aimes quand je conduis ta voiture comme ça? Ça fait toujours du bien d'être conduit par une dame. Tu m'as tellement manqué. Mais la vérité, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que c'était nécessaire de prendre le billet d'avion et venir au Cameroun alors que tu n'as pas encore fini ton contrat? Tu sais, tu as couru un énorme risque. Tu n'as pas idée. Depuis que j'ai voyagé, je ne cesse de faire les mauvais songes sur ma fille. Et j'ai l'impression que tu as un problème. Et on cesse de m'appeler au Cameroun pour me dire qu'il y a ci, il y a ça et tout. Ça m'embarrasse. Et avec les songes que je fais, je ne sais vraiment pas ce que tu es dans. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ce grand risque. Mais je sais que le Dieu que je sais, il va t'abandonner. Ok, si tu le dis, mais c'est quand même très dangereux. Je ne sais pas comment ça va se passer après les 7 jours de congé que j'ai pris là, mais bon. Ah. Ok. Tu n'as même pas dit quelque chose. Tu sais que j'ai déjà les papiers. Ah, ça. Enfin, aussi vite. Oui. Il y a un Américain qui m'a demandé un mariage. Et oh. J'ai aussitôt accepté parce qu'il me plaisait aussi beaucoup. Et on s'est mariés. On a fait un mariage là-bas. Et puis, du coup, comme tu vois, et c'est lui qui m'a encouragée. Mais. Rassure-toi, c'est pas un blanc. Non, 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 non. Ah. C'est un Américain qui est noir. C'est un Américain noir et qui réside aux États-Unis depuis il y a 5 ans. Donc, il m'a facilement donné les papiers et il m'assiste beaucoup. C'est lui qui m'a encouragé. Il m'a dit, vas-y gérer et je saurais quoi faire à ton retour. C'est une très bonne nouvelle, pour c'est fêté. Bien sûr. Bon, okay. Allons d'abord gérer la situation de l'enfant, n'est-ce pas? Wow. Voilà, Sarah, j'ai fini d'acheter. Mais tu vois, tu sais, on m'a appelé Rassal, ça. Tu vois, vrai. Gata, c'est un peu bien. Là, tu as rien de bon ici. Qu'est-ce que c'est Rassal? Rien de plus Rassal. Non, écoute. Mais je ne sais pas si c'est un peu bon. Wow, Sarah, tes cheveux ont vraiment poussé. Maman. Tu dois lui faire les rastaglos. Mais je ne peux pas encore faire les rastaglos. Ok. Laisse d'abord comme ça. Vous montez en route là-bas. Vous montez à la boutique pour m'acheter un petit truc. Là, je vais manger. D'accord, hier, ma sœur, en rentrant, n'a pas acheté le phone comme je lui ai dit. Le frigo, il n'y a pas de phone à la maison. Je vais m'acheter un bout de phone, je crois. D'accord, maman. Prenez la joue. Ok. On charge bien. Oui, maman. On va, Sarah.
Dis-moi alors, où est ton alliance? Ah, mon alliance? Mon alliance coûte énormément cher. J'ai dit à mon mari que je devais laisser là-bas avant de revenir. Ouais, c'est vrai, avec les agressions. Oui, ici, là, parce qu'il m'a fait une alliance en or. Donc, si on m'attrape, on risque de tailler mon doigt pour retirer. Comme je suis venue juste pour un petit temps, je vais retenir avec mon alliance. Je suis trop contente. Non, mais je suis très contente. Ok, allons un peu chez ma sœur. Attends, c'est comme si c'est ma fille là-bas. C'est bien elle. C'est bien elle. C'est Lauriane. Hein? Elle. Attends. Attends. Elle est avec sa copine Sarah. Mon bébé! L'émotion, c'est pas grave. Alors, putain, pardon. On part à la maison. On part où ici? Ici, comment? Elle a plus de risque à chez nous. Elle a plus de matin. Elle a plus de risque là. Ah bon, Sarah? Oui. Yeah. Oui. Maman Gono. Gloria. Gloria. Maman Gono. Mon bébé. Lève-toi, maman. Maman. Lève-toi, ma fille. Lève-toi, ma mère. Mon bébé. Mon bébé, maman,
Ouais, Gloria, tu es où, non? Tu es où, non? Mon Dieu, tu avais dit que quand ça nous dépasse, on te donne, tu vas porter. Pardon, porte l'autre ici, non, papa. Porte l'autre ici. Ouais, qu'est-ce que j'avais fait? Pourquoi j'avais fait ça? Pourquoi mon propre sang? Maman Gono, mais qu'est-ce que Gloria fait ici? Maman, laisse. Dis-moi, tu ne m'as pas dit que tu me tuerais. Maman Gono, j'ai couru énormément mes risques depuis que tu m'as parlé. Et avant ça même, je ne faisais que faire des cauchemars concernant ma fille. Je me demandais si elle était en sécurité. Mais ma soeur me rassurait toujours que tout va bien. Maman Gono, j'ai dissimulé une maladie. Et j'ai pris 7 jours de congé. Ma mère, j'ai décidé de venir au Cameroun. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment s'est passé que Gloria vit chez toi, maman Gono? J'ai laissé toute une grande maison à ma grande soeur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi, je suis perdue, je ne comprends pas. Le mieux c'est que nous en prenons. Je ne peux pas. Je ne peux pas, mon bébé. Je vais raconter ton gars, me dire pourquoi est-ce qu'elle a chassé Gloria de la maison. Elle ne m'a pas chassée. Elle ne t'a pas chassée. Elle ne m'a pas dit de moi, mais. Comment ça, mon bébé? Non, parce qu'elle me tirait déjà à travers sa fille, je faisais me maltraiter. C'est entre tes mains que je laisse tout, papa. Aide-moi. Amène-nous. Mes cheveux sont déjà bien sales. Il faut que j'aille au salon. Je vais déjà me coiffer. Enlever les trucs là sous mes mains. Mon Dieu. Mon Dieu. Parce que ma soeur fait à ma propre fille. Maman Gono, elle m'a fait vraiment Gloria. Vraiment. Vanessa, t'expliquer, moi, je t'ai dit, tu ne vois pas. J'arrive pas à croire, j'ai du mal parler à ma copine Vanessa. Parce que je me disais que c'était juste le sabotage. Mon bébé. Mon bébé. Qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? S'il te plaît, maman Gono. Ma fille. Ma fille! Mon Dieu! Mon Dieu! Mon bébé! Maman, tu n'as pas passé toute la journée à pleurer. Tu es déjà là, c'est le sens. Entre, on a fait à manger. Maman, ce que je veux, c'est qu'on se rende chez Tonga. Tonga m'a dit que tout allait bien. Elle va me dire pourquoi. Elle traitait ma fille ainsi. Où je suis placée là, je n'ai même pas faim. Maman Gono, s'il te plaît. Alors plutôt rencontrer ton mari. Si tu ne manges pas, entre, tu calmes d'abord. Aller chez grand-mère. Tu ne peux pas aller là-bas. Ne te pas, tu insistes. Je veux partir chez grand-mère. Attends. Tu vas aller chez grand-mère, n'est-ce pas? Pour me laisser dans cette maison seule. Et tu sais que Gloria n'est plus ici. Si maman, je pars, je te laisse dans la maison, tu dormis seule, tu vas dormir. Je veux partir pour ma fille. Tu ne pars pas chez grand-mère, c'est tout. Je veux partir, je veux partir. Je veux partir. Maman, je veux partir chez grand-mère. Je te dis que tu ne pars pas. Je veux partir. C'est Gloria, vous vous payez ma femme.
Bonsoir, grande sœur. Ce n'est pas un fantôme, c'est bien moi. La belle, c'est toi. Bien sûr. Tu es au Cameroun. Ouvre-moi plutôt la porte. Non. Comment tu as fait que tu es arrivée sans me prévenir? Grande sœur. C'est toi. Ouvre la porte. Et qui es-tu? Tu me reçois des yeux. Je ne vais pas t'arriver. Ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Mais dites-moi, pourquoi Gloria ne m'accueille pas aussi? Elle est où? J'ai envoyé Gloria aller acheter le savon. Le savon. Ah bon? Oui. Je peux avoir un câlin, cancer. Oui, bien sûr. Bienvenue. Tu as bien voyagé. Très bien. Va embrasser ta tante. Ta tante au Cameroun. Maman, je vais prendre tes bagages. Ah, c'est dans la voiture en bas. Ne t'inquiète pas. J'ai un ami remonté avec. Je suis venue avec mon ami. Bon, est-ce que je peux entrer? Tu veux me dire que je suis non? Grande sœur. Oui, oui. Bientôt 10 minutes. Et Gloria n'est toujours pas rentrée. Il y a quelque chose qui se passe. Attends, je vais tout t'expliquer. Tu m'expliques comment? Attends, je vais t'expliquer. L'enfant que tu as laissé ici au pays n'est plus le même enfant. Gloria m'a montré tout. J'ai vu de toutes les couleurs avec Gloria. Donc tu entends. Gloria m'a prouvé que je ne suis pas sa tante. Oui! Vraiment? Comme je te dis, t'es sûr! Hey! Ce n'est pas ça, hein? Gloria! Ma Gloria de vérité, tu vois. Ouais! L'enfant que j'ai éduqué. Tu l'as éduqué, non? Comment dis-tu quand tu accouches l'enfant, mais tu n'accouches pas son cœur? Tu te rends compte que Gloria va me saboter partout au quartier. Et pas chez tes copines, chez les Sarah, même jusqu'à l'école. Et pas me saboter. Toi aussi, j'étais une méchante. Pourtant, maman, tu connais mon bon cœur. J'ai tout fait pour cet enfant. Les gens cherchent seulement à diviser notre famille. Mais personne ne peut arriver. Est-ce que je peux avoir une réponse, grande sœur? Où est Gloria? Celle-là, je l'ai envoyée depuis 2 jours acheter le savon. Gloria a fugué. Oui, j'ai déjà cherché Gloria. J'ai déjà cherché Gloria partout depuis 2 jours. Tu veux me faire croire que ma fille n'est pas dans cette maison? J'ai déjà cherché l'enfant. Je te dis que Gloria est devenue têtue. Ça ne va même pas me surprendre si on me dit qu'elle doit aller là-bas. Parce que ma fille m'a déjà dépassée. Je ne voulais pas seulement t'inquiéter comme tu étais en Europe. Je ne voulais pas. Non, parce que tu connais le cœur. Mais je t'ai pourtant appelé, réappelé. Je t'appelle à 6h au Cameroun. Je t'appelle à 13h au Cameroun. Je t'appelle à 15h au Cameroun. Je t'appelle même à 1h. Ma grande sœur, tu es incapable de me passer le téléphone à ma fille. Je crois que tu es incapable de passer le téléphone à ma fille, grande sœur. Je crois qu'elle veut résoudre ce problème avec l'enfant. Mais je te la cherche. On ne l'a pas cherché. On l'a beaucoup cherché. Ok. Entrez. Entrez comment? Tu es avec qui? Thank you.
Bon. Ma grande sœur m'a raconté tout un tas de trucs concernant Gloria. Je ne vais pas dire qu'elle ment. Et je pense que j'ai une seule question à poser à Chouquette. Vous allez m'excuser, je ne suis pas en train de pleurer. C'est juste que je ne vais pas très bien à l'intérieur de moi. Chouquette, mon bébé. Tu sais, j'ai fait un bon moment aux États-Unis. J'ai une très bonne situation déjà. Et ce que je vais dire, c'est que je suis revenue au Cameroun à l'improviste pour vous faire venir avec moi. Parce que je me suis mariée à un Américain, je ne vous ai pas dit cela. Parce que je voulais vous faire la surprise. Alors, je suis déjà de nationalité américaine. Si je suis américaine, Gloria également l'est. Et toi, je compte te reconnaître. Te faire venir aux États-Unis. Grâce, chérie. J'ai un très bon plan pour toi. Je suis en train de te préparer un bon mariage avec un bon plan. Donc, d'ici peu, je te donne ma 6-4 mois. Nous allons tous être aux États-Unis. Mais pour le moment, je compte partir avec Gloria et Chouquette. Mon bébé Chouquette, tu sais que les enfants sont des anges, n'est-ce pas? Ok. Je vais te poser une question. Est-ce que tout ce que maman Tonga a raconté là est vrai? Tout ce que je veux savoir, c'est la vérité. Si c'est la vérité, mon bébé, dis-moi que c'est la vérité. Mais s'il y a un mensonge dedans, essaie juste de nous éclaircir. Je peux avoir la parole. Elle peut me lever. Maman la belle, je vais te raconter tout. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Maman la belle, j'ai vu les miracles ici. Hey! Mon Dieu! Maman, quand tu es partie, les premiers temps, maman Tonga faisait comme si... Maman Tonga qui est ma mère, faisait comme si elle était trop gentille avec Gloria. Après quelques semaines que tu ne faisais plus si là, maman, la maltraitance a commencé. Elle fait un gros plat, elle me fait un gros plat, elle fait un petit plat avec les os à Gloria. Je reste comme si elle dit, maman, tu m'as mis de la même quantité. Pourquoi tu lui donnes comme ça? Hé, maman. Hey, je serais comme ça, dit que, hey, c'est quel comportement ça? Quand on doit se laver, elle me laisse me laver seule. Elle dit à Gloria d'aller puiser l'eau pour aller se laver. Aller puiser l'eau? Oui. Aller puiser l'eau comment? Elle dit à Gloria d'aller puiser l'eau, madame. Il y a le robinet ici dedans, non? Il y a le robinet, mais elle dit que Gloria ne touche pas l'eau. Elle ne touche pas l'eau. Mais ton gars, je paye la lumière, je paye la maison, je paye l'eau. Mon enfant va aller puiser de l'eau pour se laver. Maman. J'ai fait ça. Maman, tu as fait ça. Hey, maman, mon Dieu. Il serait peut-être que c'est encore ma mère ici. Peut-être qu'elle est même possédée. Hey. Maman m'a fait voir tous les couleurs à Gloria. Jusqu'à lui laisser dormir sur la véranda. Pourtant, il y a les chambres, les lits. Dieu! Chouquette! Gloria était en train de se laver le savon sur elle. Elle lui dit: va puiser l'eau, tu ne te laves pas avec l'eau ici. Désormais, tu vas puiser l'eau. Et elle donnait les vêtements à Gloria. Gloria, elle lave ça seule. Quels vêtements? Ses vêtements elle-même. Tous ses sous-vêtements, ses vêtements que Gloria lave. J'ai vu de tous les couleurs ici. Maman! Elle a tellement maltraité Gloria, jusqu'à taper Gloria, elle a malaxé avec un gros fouet comme ça. Hey! Je veux pas faire ça. Maman la belle, et ce n'est pas tout. Quand Gloria est devenue aveugle. Hey! Acadèle, pardon. Aveugle comment? Comment tu es aveugle? Elle est devenue aveugle, elle ne voyait plus. Maman, c'est encore le pire là-bas. On lui laissait mettre les jours sans manger. Non. On laissait même les choux sans manger. Tu vois, c'est comme si tu disais que ouais, pourquoi ma mère comme ça? Pourquoi elle peut maltraiter l'enfant de quelqu'un? Ouais, maman, la belle, raconte vite. Vois comment on fait du mal à ton enfant. Sérieusement, j'ai vu le cœur de ma mère en vrai. En vrai, j'ai vu que c'est le poison. Je n'ai pas compris comment on peut te laisser un enfant, tu maltraites comme ça, je ne comprenais pas. Maman la belle, j'étais qu'une victime, maman, elle ne peut rien faire. Sinon, elle devait me faire même plus pire. Elle devait m'obliger à faire certaines choses.
Elle m'obligeait. Tu n'étais qu'une victime. Elle... Jusqu'à avouer la femme mendier. Attendez, pardon, Jésus. Hey, pardon, Jésus. Hey, je suis à ma pardon. La femme était mendier. Elle a avoué que l'eau était mal à Jean au Jean. Oh, madame. Bien sûr, tu fais quoi? Maman, c'était le diable. Il n'y a pas de diable dedans. Tu fais ta propre volonté. Connais ton noir cœur là. Il n'y a pas de diable. Il n'y a pas de diable. Ne fais pas ça. Ma petite, pardonne-moi. Il n'y a pas de pardon. J'étais sur la prise du diable. Hey. Non, Jésus, pardon. Maman, depuis que je suis allée aux États-Unis, est-ce que tu as déjà dépensé 5 fois dans cette maison? Eh, maman Tonga! Non, pas vraiment. Tu es même ma mère! Pourquoi tu me fais ça? Maman la belle, ce n'est pas fini. Quand tu as envoyé l'argent, même un franc, Gloria n'avait pas en possession. Elle avait confisqué le téléphone de Gloria. Hey! Petite, elle n'aurait aucun contact avec toi. Maman! What?
Grâce à vous, oh! Grâce à vous, oh!